Carillon, c'est un réseau de solidarité locale composé d'habitants, de commerçants et de sans domicile. Alors concrètement, on recherche à créer un lien entre des populations qui ont tendance à ne plus se voir. Et pour ça, on utilise le prétexte des services, le prétexte du don. Concrètement, des commerçants s'engagent à offrir des petits services du quotidien, à permettre l'accès aux toilettes, recharger son téléphone portable, passer un petit coup de fil, mais aussi offrir des plats chauds, des consultations ophtalmologiques, des lunettes sur mesure. Voilà, et ça permet évidemment de casser les clichés qu'on peut avoir sur le monde de la rue, mais aussi sur les commerçants. Et donc tous les mois, on essaye de réunir tout le monde dans un endroit pour un événement un petit peu festif, sans domicile, commerçants, habitants, élus même. Voilà, souvent chez un commerçant, c'est des petites soirées solidaires qui permettent aussi de se rendre compte que son voisin, avec ou sans abri, est peut-être pas celui qu'on imaginait. Le Carillon est né il y a 18 mois dans mon quartier, le 11e arrondissement de Paris. Moi, en tant que citoyen, je croisais des sans-abri tous les jours. Honnêtement, je ne savais pas trop comment les aider, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'on ne nous propose pas de modèle d'engagement, voilà, qui nous permette d'aider autrui. Donc je suis allé voir des commerçants, je suis allé voir des habitants, je suis allé voir des gars de la rue pour essayer de comprendre comment on pouvait créer un système assez intelligent, pas trop complexe et qui permette à chacun de s'entraider. Après 18 mois d'expérimentation, le Carillon, c'est 25 personnes à temps plein qui travaillent auprès de plus de 300 commerçants solidaires dans 13 arrondissements de Paris, mais aussi à Nantes et à Lille. Ce sont des milliers de services rendus à des centaines de sans-domicile et puis évidemment des dizaines d'événements solidaires, plus de 40 il me semble dans tous nos arrondissements, avec toujours ce lien social et ces sourires. Alors, l'avenir du Carillon, on espère, c'est évidemment pouvoir nous étendre à tout Paris avant l'été 2017, puis évidemment toutes les grandes villes françaises. On prépare Lyon et Marseille, en tout cas pour septembre 2017. Et puis évidemment, se tourner vers l'international. On a commencé à faire des émules à Seattle, aux Pays-Bas. On espère pouvoir créer une fédération internationale et vraiment développer le mouvement. Et puis, s'il fallait voir un petit peu plus loin, s'il fallait rêver, peut-être qu'on espère un jour ne plus avoir existé. On espère avoir créé le petit déclencheur qui permet à chacun de redevenir très solidaire localement, d'avoir ces liens sociaux très simples.